Donc là, monsieur, on va tourner à gauche. Alors, deux conseils. Le premier, c'est si le clignot il saute, on le remet. Et le deuxième, c'est que vous avez la chance d'avoir combien de mains? Donc il vaut mieux tourner le volant avec les deux mains. Ça marche. Allez, n'ayez pas peur de rouler. À combien vous êtes limité ici? 30. Vous avez vu un panneau 30? Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est ce que je vous disais un petit peu avant dans les consignes, de rouler si c'est faisable. Donc là on va où monsieur? Droit. Ouais, alors il vaut mieux quand même contrôler indiqué. Allez, pour l'instant c'est toujours tout droit, tant que je vous dis rien, vous irez tout droit. D'accord? Allez, maintenant vous suivez Agnos. Allez, ensuite à droite. Voilà, pensez à ce rétro aussi.
qu'est-ce qu'on cherche à voir en fait dans ce rétro? Tu peux une voiture qui est trop proche. Ouais, exact. Allez, ensuite à gauche, vous allez rentrer sur le parking et où vous voulez, du coup, vous allez vous garer, mais en arrière, en avant, pardon, d'accord, où vous voulez en avant. Ok, c'est bon pour vous? Oui. Oui. Et bien on repart, du coup. Alors, là, on va éviter de rouler sur les places. On va essayer de ressortir, il vaut mieux. Par contre, où c'est que vous devez regarder, monsieur, en arrière? Voilà. Même s'il n'y a personne, en fait, on va garder les bonnes habitudes. Oui. Donc là, toujours tout droit, hein. Si je vous dis rien, tout droit. Ça, c'était une priorité à droite aussi ou pas? Oui. Et ensuite, monsieur à gauche au feu. Allez, là vous allez continuer vers le centre-ville.
Alors là, monsieur, ce que vous allez faire, vous allez vous arrêter à droite directement en avant. On va faire les vérifications. Voilà, vous vous arrêtez. Ça compte pas comme une manœuvre. Ok, vous allez me donner ensuite les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît. 58. 58. Je vous laisse immobiliser. Et on va avoir une question. Ok, une question extérieure. Ben, je vous laisse couper le moteur. Aujourd'hui, on nous fait sortir. Vous allez montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Ça vous parle? Pas trop. Alors, pour changer une ampoule à l'arrière. On va le coffre. Oui. Par déduction, vous feriez quoi? Après, il faut démonter le phare. Ouais. Donc on va enlever le cache. Voilà. Ok. Et derrière, on va venir changer ce, bon, ne le faites pas. Hein. Okay. Très bien, je vous laisse remettre le cache. Vous allez me dire quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière. C'est marrant cette question, puisqu'on a vérifié qu'il ne fonctionnait pas tout à l'heure. De se faire rentrer dedans, on ne va pas nous voir. Très bien. Et premier secours, comment est diffusée l'alerte émise par le SAIP, c'est-à-dire le signal d'alerte et d'information aux populations. Donc comment est diffusée l'alerte? Est-ce qu'on le crie sur les toits? Est-ce qu'on le met? Les réseaux, mais quoi d'autre? Il y a quelque chose de particulier. Ok, il y a autre chose? La télévision. D'accord, et en premier, avant que ça passe sur les réseaux. En premier, on va voir les sirènes. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est comme autrefois quand on faisait le premier mercredi du mois, là, tester la sirène des pompiers. Eh bien, on repart dès que ça sera possible. Château à Tristan. Tu vois, c'est très bien d'avoir revérifié quand même. Si vous le faites deux fois, c'est mieux. On va rien lui dire, il a le droit. Mon tonton, il disait aux flics de mettre la ceinture. Et donc vous, voilà, il faut quand même contrôler Indica à l'avance, hein, d'accord? Faire la morale à la police, mais d'abord bien conduire surtout. Qu'est-ce qu'il disait tonton? Il faisait comme ça, il leur montrait la ceinture aux flics comme ça. Il l'avait pas. Est-ce qu'il la mettait pas? Courageux tonton. Et donc toujours tout droit. Alors pourquoi vous arrêtez là? Il n'y a pas de piéton. Ouais, mais s'il n'y a pas de piéton, on s'arrête qu'à la ligne, hein, d'accord? Oui. On s'arrête à la ligne du stop, mais pas. C'est un cas particulier où on peut s'arrêter sur le passage piéton s'il n'y a pas de piéton. Ok. Sinon derrière vous allez les surprendre. Faux. Surtout à surveiller derrière, d'accord? C'est à dire qu'en fait, le téléphone là, mais est-ce qu'il va tourner ou pas? Si vous faites ça et qu'il vous colle autant, il va vous rentrer dedans. Hein. Mmh.
toujours tout droit. Ne pas traîner la première, s'il vous plaît. Allez, ensuite à droite. Si vous touchez l'embrayage, n'hésitez pas à glisser la première. Oui. On redémarre mieux en première. Allez, à gauche. Par exemple, Enzo, il vient de passer le permis là derrière, j'ai pas son résultat, je vais pas aller le perturber, mais s'il me posait la question, je lui dirais 1, est-ce que tu as fait une erreur éliminatoire? Toi, tu me dirais quoi? Je pense pas, non. Tu penses pas? 2, est-ce que tu as répété plusieurs fois la même erreur? Est-ce que, par exemple, on t'a dit 4 fois de surveiller plus ce rétro, 3 fois de mieux gérer la boîte de vitesse, est-ce que tu as répété? Ok, et ensuite, est-ce que tu as eu une situation dangereuse? Bon, un peu avec le piéton, là, quand j'ai freiné. La piétonne. Oui. Ok, mais tu t'es arrêté ou pas? Oui. Ça marche. Alors, d'abord installation au poste de conduite. T'as vérifié s'il avait la ceinture, on est d'accord? Oui. Ouais, même après la question de vérification, donc tu as 2 sur 2. Les questions. Tu me bredouilles un petit peu au niveau de la question des premiers secours, qu'il y a les réseaux, la radio, tout ça. Oui, c'est vrai, mais le principal, c'est les sirènes. D'abord, oui. Si ça se déclenche, en fait, tu auras une sirène que la ville va déclencher. Okay, vu que ça reste bien, je t'ai quand même mis 3 points. Okay, oui. Connaître, utiliser les commandes. Je t'enlève un petit point. Après, on va voir si ça passe ou pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Donc, commande, c'est volant, boîte de vitesse, pédale. Oui, le volant à donner. Yeah. Au début, si tu veux, tu as eu un petit peu de mal à t'y mettre. J'ai pas trop tenu compte, on va dire, de la première minute, là où je t'ai fait tourner à gauche, etc. Normalement, un inspecteur, les 2-3 premières minutes, sauf si évidemment vous êtes dangereux et que vous faites quelque chose de grave, il n'en tient pas trop compte. D'accord, il sait aussi qu'on doit se mettre dans le bain. Yeah. Donc, je t'ai enlevé plutôt un petit point sur la fin. Parce que tu arrives sur un giratoire en 2, tu débrayes, tu lâches l'embrayage. Un inspecteur risque de te dire si monsieur en 2 c'est trop rapide, mettez la première. D'accord, ouais, vous redémarrerez, ouais, vous redémarrerez plus facilement. Ok, ouais. Prise d'info, je suis un peu plus sévère, je te mets un sur 3 parce que prise d'info, donc ça regroupe tout ce qui est rétro angle mort, j'ai quasiment rien à te reprocher puisque c'est fait, mais tu vois, quand il y a la voiture de police, t'anticipes un petit peu tard. Ok, t'anticipes, mais t'es déjà sur elle, ton écart est déjà fait, fais-le un tout petit peu plus tôt. La première piétonne, tu la laisses passer, donc c'est très bien. La deuxième, voilà, qui a son téléphone à la main, oui, moi je ne savais pas si elle allait tourner ou pas, elle s'est tournée d'un coup.
Oui. Non, non, c'est lui qui freine, mais ah, il freine très juste. C'est-à-dire que si t'as quelqu'un derrière, c'est pour ça que prise d'info, je t'enlève un peu de points, il va te rentrer dedans. Ah, tu vas me dire peut-être. Déjà, c'est lui qui a freiné. Voilà, tu vas me dire en fait, il sera en tort s'il me percute, c'est vrai. Mais comment on peut se poser la question, est-ce qu'elle va traverser ou pas? C'est que parfois, elle va regarder plusieurs fois vers nous. Bah, elle a rien regardé du tout, là. Elle a pas trop regardé. Elle était sur le téléphone, elle a tourné d'un coup. Alors, on va poser la question différemment. T'es arrivé avec le pied sur quelle pédale? Non, pas le frein. Voilà. Parce que c'est le temps de changer de pédale qui fait que t'es un peu surpris. Si tu te dis, tiens, il y a un pied, un passage piéton, peut-être que ça va aller ensemble, tu pourras mieux anticiper. Donc c'est pas éliminatoire puisque tu freines, mais attention quand même. Oui. Okay, adapter l'allure aux circonstances. Alors je te mets 2 sur 3, c'est pas mal, mais n'aie pas peur quand même de rouler si c'est faisable. C'est à dire que tu vois les parties là-bas au début vers Agnos, limité à 80, bon tu roules, c'est assez correct, mais au début tu vois la ligne droite, tu me dis c'est 30, mais non, c'est pas 30. C'est à dire qu'une aglo c'est 50, sauf s'il y a marqué 30 à un moment donné. Ok, ouais. Là quand on revient, t'es à 42 km/h, difficilement 45. Si vraiment c'est dégagé, n'aie pas peur de rouler. Ok, c'est pas trop pénalisant, je t'ai enlevé qu'un petit point. Réglementation, c'est bon, 3 sur 3. Au niveau des clignots, je t'enlève juste un petit point par rapport à l'anticipation au niveau de la voiture de police. Partage de la chaussée, je t'enlève un point. Parce que quand t'es parti de ton rangement en épi, t'as roulé sur les lignes. Reste propre. Enfin, tu voulais en tout cas, ok. Ça, tu le fais si tu veux après le permis, mais là, on est dans une épreuve de sécurité, vaut mieux être pas trop mal. Distance de sécurité, 3, analyse, adaptation des situations, je mets 0,5 par rapport à ce qu'on s'est dit. Conduite autonome, c'est bon. Conduite éco, allez, ça va, tu fais pas trop rugir le moteur. Courtoisie, il n'y a pas eu. Ça te donne... J'ai lu là, à 23 au moins. 23, d'accord. C'est évidemment un examen blanc. Oui. C'est-à-dire que là, c'est pas que je suis gentil, un inspecteur est méchant ou quoi. Ça veut dire que tous les deux, voilà, vous avez un niveau relativement correct pour avoir votre permis de conduire. Il y a quand même de quoi améliorer. Il y a toujours de toute façon de quoi améliorer. Ok, mais ça reste quand même rassurant. Ça veut dire que là, si vous passez, déjà, normalement, c'est pas si mal. Et puis, il reste encore un petit peu de temps avant votre date d'examen.